Bien le bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très très bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR, votre de mes séances de relaxation. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé d'abord pour ce soir? Tout simplement, une vidéo collection. Toute ma collection de jeux PlayStation 5. Sachez que la PS5, je la possède, ça fait deux ans, déjà 2 ans, au mois d'octobre. Et je sais plus le combien d'ailleurs. Et j'ai accumulé pas mal de jeux. Alors je ne sais pas combien je possède de jeux, on va les compter ensemble dans cette vidéo. Comme ça je vais découvrir combien j'ai de jeux. Et parce que je voulais pas les compter, je voulais les compter en vidéo. Et j'en possède pas mal, et des bons titres. Et des mauvais titres aussi. Alors j'en possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, attends, non, là je suis à 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 jeux à droite et à gauche. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, et pour finir, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 jeux. Bon, c'est vrai, j'aurais pu attendre les 70 jeux, mais je triche un peu parce qu'il y a deux boîtes où ce n'est pas des jeux vidéo, c'est des packs de skins de Fortnite. Je les ai comptés quand même. Allez, c'est parti, on va commencer par la pile de droite. Et en espérant que cette vidéo va vous plaire et vous relaxer, vous pouvez mettre un petit j'aime si cette vidéo vous relaxe, vous divertit et vous plaît. Je possède tout simplement le Alan Wake Remastered pour le premier jeu. Excellent Alan Wake, excellent. Je recommande. Par contre, moi je voulais prendre le 2, Alan Wake 2, mais ils n'ont pas prévu d'édition physique en boîte. Du coup, bah, je peux pas le prendre. Le deuxième jeu, c'est Protocol. The Callisto Protocol, excellent jeu, un peu survivre le roi, excellent jeu. Ensuite, Resident Evil Village, c'est pas le meilleur Resident Evil, mais il est top. Je préfère le 7 que celui-là, mais il est bien aussi. Ensuite, Marvel, les cartes à la carte.
un jeu qui m'a l'air sympathique que j'ai pas encore testé. Atomic Heart. Apparemment, il est bien. C'est ce qu'un abonné m'a dit sur qui était bien. Et on verra ce qu'il donne. Ensuite, un jeu d'horreur indé, Insomnie. Alors, vous pouvez le trouver pas cher, hein, pour 30 euros, vous pouvez le trouver sur Amazon. Et c'est le prix que j'ai payé, je crois. Insomnie, un jeu d'horreur dans un manoir hanté, tout ça. Excellent. Je l'ai fini sur Internet. Ensuite, bah, si tout le monde connaît la BD, la bande dessinée 13, bah, j'ai joué. Voilà, ils ont fait un jeu de la bande dessinée 13. Alors, je vais terminer, mais ça va, ça passe. Il est pas mal, on va dire. Ensuite, un jeu, je voulais dépenser 10 euros. Du coup, pas. J'ai pris Dracula Legacy. Dracula Legacy, c'est un genre de jeu style. Oh, je sais pas comment vous dire. C'est quoi comme genre de jeu? C'est faut rechercher tout ça avec des objets, tout ça, cacher tout ça. Enfin, c'est un truc mystère. Je l'ai pas testé encore. Ensuite, bah, quand je vous disais, j'ai le pack de Fortnite. Ça, c'est les gens animés. Il n'y a pas de temps. Ensuite, un jeu que j'ai platiné. Il y a un moment déjà, je vous en ai vu. J'en ai vu une vidéo Code Simulator. Elle vous a bien plu ça d'ailleurs la vidéo. Code Simulator 3. Ensuite le détail Survivor Star Wars. J'ai préféré le premier. Je l'ai pas vu, je l'ai pas fini encore, je suis bloqué. Et ouais, j'ai préféré le premier. Celui-là, il m'attire pas trop. Ensuite, j'avais commencé ce jeu. Et je compte le platiner, mais je l'ai lâché en cours de route. C'est le Tchernobylite. Tchernobylite. Ensuite, Aplactal Requiem. C'est le meilleur des Plactal. J'ai fait le premier aussi. Ça, c'est le 2. Il est excellent. Ensuite, j'ai The Quarry. The Quarry, ça fait comme les The Dark Pictures, tout ça. Man of Medan, Until Dawn, c'est pareil. Excellent jeu. Ensuite, en ce moment, je suis sur. J'ai commencé UFC 5. Le meilleur UFC. Bon, après, ça reste un UFC. Mais j'aime bien, moi, tout ce qui est MMA, tout ça, la boxe, tout ça, j'aime bien. Les jeux de boxe, les jeux de baston, quoi. Comme UFC, j'aime bien. Du coup, j'ai pris le 5. Ensuite, bah, le Marvel Spider-Man 2. Le meilleur Spider-Man. Miles Morales aussi était bien, mais je posais tout, je crois. Ensuite, un jeu où j'ai beaucoup apprécié, c'est le Kena. Kena, excellent jeu. Bon, je vous présente pas les jeux. Hein. Je vous montre juste ma collection. Parce que je suis un peu fatigué, j'ai pas. Je suis un peu fatigué du coup, bah, j'ai pas la force. Tout simplement. Assassin's Creed Mirage. Alors il y en a qui me disent beaucoup de bien sur ce jeu. Et faudrait que je teste. Peut-être que je testerai après UFC 5. Quand j'aurai fini le mode carrière de UFC. Ensuite, Chivalry 2. J'ai acheté ce jeu-là. Je sais même pas pourquoi. Je joue même pas. Ensuite, Final Fantasy. C'est le 16, celui-là. Alors, c'est le meilleur Final Fantasy. Moi, j'ai fait le 7 remake. J'ai fait. Bah, c'est tout. Ouais, j'ai fait que cela. Et le 16, c'est le meilleur. Après, bah, un jeu que je compte platiner également. J'ai même le téléchargé sur la console, il est gratuit. Gotham Knight, dans l'univers de Batman. Il est bien, mais je préfère les Spider-Man. Bon, après, ça n'a rien à voir. Ensuite.
avec le Assassin's Creed Mirage, je possède le Valhalla. J'ai testé le début sur PC, mais ouais, il m'a l'air d'être nickel Chrome. Ah, puis c'est sûr. Oh, bah oui, c'est sur PS5. Putain, quel con, ouais, je suis fatigué. Ensuite, bah, j'ai le pack Transformers que j'ai eu avant tout le monde. Bah, par rapport à la boutique. La boutique est sortie plus tard. Ensuite, j'ai le Power Wash, un jeu de nettoyage extrême. Saga Skywalker, les Lego. Alors pas le meilleur des Lego, moi mon meilleur Lego, bon, j'ai terminé hein, celui-là, mais le meilleur des Lego c'est Harry Potter. Y a rien de mieux qu'Harry Potter. Ensuite un jeu de merde que j'avais acheté, je sais plus combien, c'est Pogsnax. J'avais commencé, c'est de la merde. C'est un jeu pour enfants. Alors ensuite j'ai The Falconeer, un jeu d'aventure.
vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos ASMR. Je pense que la prochaine fois, ce sera un roleplay.